Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances français visite le CME. Clôture de la 4e édition Africa Money Transfer. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. En vue de stopper la déforestation et la dégradation des forêts liées à la chaîne de valeur cacao, des engagements ont été pris à la COP23 de Borne par la Côte d'Ivoire, le Ghana et certaines entreprises du secteur. La validation du plan de mise en œuvre de ces engagements conduit par le ministère ivoirien des Eaux et Forêts s'est tenue ce vendredi à Abidjan. Le point avec Marie-Josée Kouassi. Faire en sorte que la culture du cacao ne détruise pas la forêt, mais participe plutôt à sa préservation, c'est l'objectif affiché par le gouvernement ivoirien à travers le ministère des Eaux et Forêts. Après les engagements pris à Bonn lors de la COP23, plusieurs travaux ont permis de préparer la version provisoire du plan de mise en œuvre de ces engagements. S'en est suivi un atelier de lancement des activités du cadre d'action commune de l'initiative Cacao Forêt. Avec à sa tête le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Onwahi, le comité de pilotage des travaux s'est réuni à Abidjan pour la validation des plans de mise en œuvre. Le plan d'action a été validé et aussi nous avons pu valider donc les études qui doivent être entamées, non seulement pour la mise en place du fonds cacao et forêt, c'est un fonds qui sera mis en place donc pour le financement des actions de l'initiative qui a été signée et également des études sur la traçabilité. Un autre sujet d'importance au niveau de la cacaoculture dans les forêts, c'est une question de traçabilité pour s'assurer donc de la provenance de nos productions, des productions donc qui ne soient pas illégales. L'initiative Cacao Forêt implique plusieurs parties prenantes, en majorité le secteur privé, surtout les industries chocolatières. Avec le fonds de 616 milliards de francs CFA qui sera mis à disposition, le ministère des Eaux et Forêts rassure quant aux résultats de ce projet. Alors ce fonds n'est pas encore estimé en termes de montant. Ce que nous savons, c'est que ce fonds doit appuyer la politique forestière. Cette politique a été évaluée pour le moment à 616 milliards de francs CFA sur 10 ans. Maintenant, l'initiative Cacao Forêt vient participer donc, à l'ensemble des financements que devra mobiliser le ministère des Eaux et Forêts ainsi que le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc c'est ce qui a été fait aujourd'hui. L'engagement est ferme de la part de tous les partenaires, notamment le secteur privé, de participer à ce fonds. Les perspectives sont annoncées. Lors de la prochaine rencontre du comité de pilotage, les fonds seront mis à disposition. Nous allons continuer le travail. La prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra donc à la fin du mois d'octobre pour que nous soyons prêts donc à fin décembre 2018 pour la mise en place du fonds qui va donc soutenir l'initiative Cacao et Forêt et aussi de la continuation donc la mise en œuvre de tout notre programme. D'ici 2030, le gouvernement ivoirien a pour objectif d'atteindre 20% de couvert forestier. Pour l'atteinte de cet objectif, l'implication des partenaires du développement, les organismes de recherche, la société civile et la communauté paysanne est plus que nécessaire. Le centre de métier de l'électricité CME de la compagnie ivoirienne d'électricité a reçu la visite de Delphine Jenny Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances français. S'enquérir des innovations de ce centre d'excellence en Afrique et parler coopération, tel est l'enjeu de la visite de la secrétaire d'État français au CME. Le reportage de Marie-Josée Kouassi dans un commentaire de Max Soubi. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Économie et des Finances a visité vendredi le Centre des métiers de l'électricité, CME, de Bingerville. Il s'agissait pour l'émissaire du gouvernement français de toucher du doigt la réalité de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Avant la visite, le directeur général du CME a présenté les acquis de son établissement. Si le secteur de l'électricité a été privilégié au départ, notre ambition est de développer les compétences que recherche aujourd'hui l'industrie moderne, afin de faire du CME un pôle de savoir et des technologies.
À l'issue de la visite des salles de classe où enseignants et étudiants ont fait montre de leur savoir-faire, la secrétaire d'État s'est rendue compte de l'excellente qualité de la formation dispensée dans ce centre. Et je suis très heureuse de pouvoir visiter votre centre qui me semble constituer un modèle à tous égards. Le CME s'inscrit exactement dans la stratégie initiée lors de la visite du président Macron en Côte d'Ivoire. Appuyer et encourager la coopération universitaire et d'enseignement supérieur entre nos deux pays. Faire de la Côte d'Ivoire un hub régional pour l'éducation en favorisant le développement d'une offre locale de qualité. Le Centre national des arts et des métiers français a reconnu la qualité du CME en signant une convention par laquelle une licence professionnelle du CME est désormais reconnue en France. Pour Dominique Kakou, directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, cette signature de convention renforce les capacités des formateurs et apprenants du CME et par ricochet celles des industries locales. Le champ des compétences du Centre des métiers de l'électricité CME est en train de s'élargir à tous les métiers de la croissance régionale tels que télécom, data, énergie, informatique, numérique et ce, à partir d'un investissement d'environ 5 milliards de francs CFA sur 4 ans. Ils auront bientôt leur carte nationale professionnelle, les acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle que le bureau de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, a annoncé aux commerçants. C'était lors d'une conférence animée à Abidjan par les responsables de la FENACI qui ont présenté l'outil de développement. Être éligible au fonds de promotion de l'activité commerciale, bénéficier de facilités dans l'obtention de visas, des services à valeur ajoutée, tels sont quelques avantages liés à la carte professionnelle de commerçants de Côte d'Ivoire présentée aux acteurs ce vendredi. C'est un outil qui, selon les responsables de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, permettra également la restructuration du secteur, un vœu cher aux acteurs de Côte d'Ivoire. Nous avons associé tous les acteurs. Or, par le passé, les commerçants que nous sommes, nous n'étions pas associés à ce projet. Or, c'est un projet qui nous revient de droit. C'est notre statut. Chaque corporation a un statut, sauf nous les commerçants depuis plus de 20 ans. Donc maintenant, nous voulons quand même sortir de l'informel, aller vers le formel. Vous êtes sans ignorer que c'est le commerce qui offre le plus d'emplois en Côte d'Ivoire. Près de 80% des emplois proviennent du secteur du commerce. Donc il est important, impérieux aujourd'hui que le gouvernement fasse un clin d'œil vers notre secteur d'activité pour que nous puissions sortir de l'informel, aller vers le formel. L'obtention de cette carte professionnelle de commerçant étant liée à la fourniture de pièces et paiement de frais, la FENACI a renseigné les commerçants sur certaines conditions. Il s'agit notamment des frais d'obtention pour le petit commerce. 10 500 francs pour les commerçants dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions, 16 500 pour un chiffre d'affaires compris entre 5 et 50 millions, des conditions qui rencontrent l'adhésion des commerçants. Mon avis est favorable. Je trouve que ça va nous enlever dans l'anarchie vraiment. En ayant nos cartes, avec tout ce qu'ils ont dit comme avantage, je conseillerais à tous les commerçants d'avoir cette carte-là. Parce que après la carte, il y a plein d'avantages derrière. Moi, je suis partante pour la carte. L'avis est très favorable parce que l'anarchie est mère de beaucoup de maux. Et cette carte, je pense, va nous permettre d'être bien organisés, mieux structurés. Et nous sommes favorables. Même la CENI, nous payons des frais pour l'obtenir. C'est une carte, ça engendre des frais et c'est tout à fait normal. Et nous pensons que sur plusieurs années, c'est raisonnable. Rappelons que l'établissement de la carte professionnelle de commerçants de Côte d'Ivoire a été institué par le décret numéro 97-175 du 19 mars 1997. Plus de 20 ans après ce décret, les commerçants restent impatients quant au démarrage effectif de la délivrance de leur carte professionnelle. Après 3 jours d'échanges sur les enjeux de la digitalisation dans les services financiers au sein de l'espace UEMOA, la 4e édition du séminaire Africa Money Transfer a refermé ses portes ce jour. Acteurs de téléphonie mobile et de services financiers, structures étatiques compétentes et professionnelles d'éthique, tous sont venus partager les bonnes pratiques en matière de digitalisation. Le reportage de Corona Sekongo.
Pendant 3 jours, les acteurs de téléphonie mobile et de services financiers, structures étatiques compétentes et professionnels d'éthique sont venus partager les bonnes pratiques en matière de digitalisation. Cette 4e édition du séminaire Africa Transfer Money aura rempli les attentes selon les organisateurs. Bilan est satisfaisant. De notre point de vue, au niveau du cabinet, notre objectif ça a été toujours de promouvoir les nouvelles technologies dans le domaine des services financiers. Donc on a été satisfaits. Mais en même temps, les participants sont satisfaits et vous pourrez les interroger par rapport au renforcement des capacités. Parce que nous avons bénéficié du soutien, et je ne cesserai jamais de le dire, d'Amarant Consulting, le cabinet qui accompagne la Banque mondiale et les Nations unies dans tous les projets d'inclusion financière. Et ils sont présents sur les 5 continents. Donc ils nous apportent l'enrichissement de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est très important. Eux, ils sont satisfaits aussi de venir confronter leurs expériences avec ce qui se passe avec les acteurs. Les acteurs ont pu bénéficier de ces expériences, des repères. Certains m'ont dit, on travaille sur le projet, mais parfois, il nous manque des chiffres qui nous permettent de voir ce qui se passe ailleurs, de savoir si ce que nous sommes en train de faire est bon ou mauvais. Et donc, eux aussi sont satisfaits. Et donc, globalement, moi, le promoteur du projet, nous sommes vraiment satisfaits. Pour faire face aux changements majeurs qu'apporte la révolution numérique, SF Consulting, lors de ces journées, s'est donné pour objectif de trouver des réponses à la problématique liée à la digitalisation des services financiers dans l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africain, UEMOA. Les participants qui ont tiré profit de ces échanges en repartent satisfaits. Le séminaire a été un séminaire très enrichissant, vu les différents thèmes qui ont été abordés. À l'orée de la digitalisation, il était vraiment important pour nous de prendre part à ce séminaire pour voir un peu évaluer nos forces et nos faiblesses. D'autant plus qu'au cours de ce séminaire, nous avons pu apprendre vraiment de nouvelles techniques qui vont nous permettre encore d'étendre notre réseau de distribution, qui vont nous permettre de bien implémenter notre stratégie de digitalisation. J'ai retenu principalement que toutes les entreprises donc, qui existent, aussi bien les administrations privées comme publiques, doivent s'inscrire pleinement dans le processus de digitalisation afin de permettre à leurs clients ainsi qu'à leurs usagers des services publics de pouvoir avoir des solutions beaucoup plus facilitées, plus aisées. Ce que j'ai retenu de cette formation principalement, c'est déjà 2 mots-clés assez importants, disons, dans le processus de digitalisation, c'est-à-dire d'optimiser le parcours client et aussi l'expérience client. Ce sont des éléments sur lesquels le DG, M. Onze, le DG de SF Consulting, M. Onze, a vraiment mis l'accent et je pense que le message est passé. Pour les éditions à venir, des innovations sont attendues. Nous envisageons d'organiser chaque année, mais nous avons demandé à ce que les différents pays, et déjà 2 pays sont candidats, le Niger et le Burkina, pour organiser la prochaine édition. Mais même si ça ne se fait pas, nous allons travailler à une autre édition avec des thèmes qui sont d'avant-garde. Parce que le marché s'en va dans ce sens-là. Et donc, nous, notre objectif, c'est de toujours créer les perspectives dans le secteur. Tout le monde a compris au sorti de ce séminaire que la digitalisation, que vous y alliez ou pas, c'est un processus qui est lancé et qui est inévitable. Cet événement aura permis aux différents acteurs d'échanger sur les questions relatives au développement de la digitalisation et la protection des données dans l'espace UEMOA. Ces échanges se sont déroulés autour de conférences, de rencontres B2B et de networking. 2 jours durant, Abidjan a abrité le sommet Climate Change Afrique, une plateforme de sensibilisation et d'action pour lutter contre le dérèglement climatique. L'effort de tous a été recommandé au cours de ce sommet pour atteindre cet objectif. Reportage Lawani Babatunde, Sorochelina. À l'heure où s'achève à Abidjan le sommet Climate Change Afrique, les participants repartent dans leurs pays respectifs avec cette recommandation de la nécessité d'accorder une place de choix aux collectivités territoriales dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette mission doit être accompagnée de ressources financières importantes pour accomplir cette responsabilité. Nous sommes des acteurs qui portent la voix des communautés et il est clair à cet effet que c'est nous qui allons porter le développement durable à travers donc cet esprit de résilience que nous devons avoir à notre sein et ensuite faire appel à d'autres partenaires
que sont le secteur privé, les acteurs non étatiques. L'Afrique est certes l'un des continents qui pollue le moins, avec seulement 4% du taux d'émission de gaz à effet de serre. Cela n'empêche cependant que tous les acteurs étatiques ou non et les différentes couches de la société africaine s'y mettent pour ensemble lutter contre ce fléau. Les gouvernements nationaux, les dirigeants de district, les élus municipaux, les membres du Parlement, les ONG, les organisations de jeunesse de femmes doivent unir leurs forces pour lutter contre ce mal. Cette lutte doit être participative et tout le monde doit prendre part à ce combat contre le dérèglement climatique. Le sommet Climate Chance Afrique à Abidjan referme ses portes avec une ferme volonté des acteurs à travailler ensemble, à construire une stratégie dans la durée pour répondre à ce défi majeur pour l'avenir du monde. Après la capitale économique ivoirienne, rendez-vous est donné à Marrakech au Maroc pour la poursuite des réflexions et les actions à mener pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Et puis terminons ce journal par cette note d'information. La Tanzanie envisage de faire passer les recettes d'exportation de coton de 30 millions de dollars actuellement à 150 millions de dollars d'ici 2020. Le coton est la seconde source d'échange du secteur agricole tanzanien après le café. La culture est pratiquée dans plus de 20 régions du pays et fournit des moyens d'existence à environ 40% de la population d'une manière directe ou indirecte. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Business 24 Africa.